Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous recevoir une nouvelle fois sur la page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. On en parle de Nîmes. Émission spéciale ce matin. Émission spéciale ce matin, puisque nous sommes en extérieur. Le 8 mai. Alors, le 8 mai. 8 mai, une date importante quand même pour la France. Il y a 73 ans. Oui. L'armistice se signait, c'est ça? Voilà. Voilà. Et donc, tout à l'heure, nous irons à la piscine. Vous n'aurez pas le... Non, c'est pas l'armistice. C'est une reddition sans... pas l'armistice, hein. On n'est pas en 14, en 18. Ah, pardon. Voilà, tu vois. Excusez-moi. J'ai bien fait de... C'est la culture, là. Non, mais je... C'est la culture, pas l'agriculture. Hein. Mais très heureux d'être repris par notre ami. Par le grognard. Voilà. On peut l'appeler même le vieux grognard. Donc, je vous disais que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de peut-être de nous baigner, puisqu'il y a la piscine ici, chez Alain. C'est un man qui nous reçoit si gentiment, non pas dans les studios d'HWVM, mais à l'extérieur. Alors, vous aurez peut-être l'occasion de voir le grognard en maillot de bain. Alors, je voulais te poser une question. Est-ce que tu mets deux pièces ou uniquement tu fais du monocony? Chez moi, j'ai une piscine, j'ai la chance d'avoir une piscine, je me baigne à poil, mon petit. Très bien. Ah, donc, je suis d'accord. La sensation de l'eau... C'est extraordinaire. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, c'est autre chose. Donc alors, peut-on rire de tout? C'est la question. Alors, déjà, deux absences. Celle de Jean-Luc Constant, qui lui est en train de changer les couches de sa petite fille, puisqu'il vient d'avoir une petite blanche. Une petite fille. Oui. Une petite blanche, je trouve ça très bien, n'est-ce pas? Et donc, il est en train de changer les couches du côté de Grenoble. Quant à Pierre Carpentier, figurez-vous... On dit pas tout. Je peux pas tout dire, mais il a des problèmes. Bon, on va dire pour les enfants du monde entier. On va dire un truc. Non, ça c'est André Bonora. Ah, c'est André, pardon. André Bonora, non, il n'a pas une dent contre nous, hein, sachez-le. Hein. Il en a perdu une. Voilà. Et Pierre Carpentier, lui, ça. On n'en dira pas plus. Donc, ils sont excusés sans aucun problème. On va dire qu'ils se laissent aller. On va dire. Voilà. Donc, pour vous présenter, bien sûr. Le grognard de l'équipe, Philippe Roata, l'ex-haut fonctionnaire très haut. Territorial, très haut. Et puis nous a rejoint, bien sûr, Sébastien Seigneuret. Seb, parce que c'est un ami de longue date, on peut en parler? Oh, il y a presque un quart de siècle qu'on se connaît. Un quart de siècle. Et vu mon petit âge, ça fait beaucoup. Donc nous avons fait pas mal de spectacles ensemble. C'est vrai. Je l'avais reçu à l'époque à la radio. On peut citer? Oh, allez. RFN. Voilà, de l'époque. Et puis voilà, donc ensuite nous avons fait avec toute l'équipe, Los Primos, Janine Meillet, il y avait un tas d'artistes de variété. Après on s'est un petit peu perdu de vue. Un petit peu, tu voilà. Ben, mais t'as rencontré l'amour entre temps. Oh l'amour. Oh non mais c'est vrai. Vas-y enchaîne mon poulet. Donc alors, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui et non. Moi il y a quelque chose qui ne me fait pas rire du tout. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il y a une dizaine de jours... sur un plateau de télévision belge qui a été relayé sur toutes les télévisions françaises, une personne qui n'a pas souhaité se faire maquiller, se laisser maquiller par une femme, et puis pendant l'émission, bien, n'a pas voulu s'adresser à la personne, à la femme, qui était juste en face d'eux. Donc il a dit, moi, c'est ma religion. Alors, on essaie de tous se rapprocher, je trouve... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Marie? Écoutez, je trouve que c'est dommage, n'est-ce pas, de se priver de, comment dirais-je, de la présence féminine, n'est-ce pas? Moi, je suis adepte de, comment dirais-je, de tout ce qui est féminin. Et je trouve dommage de se priver de la féminité de telle personne, n'est-ce pas? Vous m'avez fait peur. Ah, vous n'ayez pas peur. Je suis gentil. Gentil n'a qu'un œil. Ouais. Alors, comme je vous le disais... Émission spéciale, nous allons rire de tout, de la religion, de notre religion également, ne vous inquiétez pas, on a mis quelques petites blagues de côté. Donc, mais moi je me suis rendu compte d'une chose, de notre accent. Notre accent n'est pas pris toujours au sérieux, je m'en souviens lorsque je faisais des négociations dans mon métier, mais... On prend Foucault, par exemple, d'autres personnes comme ça, c'est vrai, de télé. Alors, Jean-Pierre Foucault, il faut savoir une chose, c'est que Jean-Pierre
cache son accent, parce que normalement, j'ai l'accent marseillais, mais j'ai pris un accent parisien pour pouvoir faire mes présentations. Hein, voilà. Donc, les gens ne peuvent pas, les animateurs ne peuvent pas réussir en radio, à la télé, au cinéma, s'ils ont leur accent. Alors, je me porte en faux, puisque Jean-Michel Apathy, quand même, avec son accent, comment dirais-je, de l'Aude ou de cette région-là, basque, pardon, avec mon accent basque, j'ai quand même réussi à me faire une petite place, ce qui est rare quand même dans le milieu journalistique. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe ? Je pense qu'effectivement, l'accent du midi, pas marrant à porter, c'est dur, je trouve. Hein? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que vous avez un accent, vous avez des mots un peu bizarres. Lesquels ? Cite-nous quelques mots bizarres, tiens. Ils sont bien à Marseille, quand ils disent « dégain », on craint, « dégain », « dégain ». Ça, ils voudraient avoir du fric, et comme ils n'en ont pas, ils disent « on craint, dégain ». C'est ça, bon. C'est ça. Mais les politiques aussi n'ont pas peur des gains. Donc ça revient à ça. Disons, tu as une émission, toi, toute... Une émission humoristique qui s'appelle Bastien décrypte l'actualité, que je fais avec mon ami Alain Sundman, qui est derrière la caméra actuellement. Voilà, où on traite un petit peu de l'actualité avec dérision, on fait des parodies, des imitations, etc. Et c'est une autre façon de voir l'actualité. Disons, il y a un texte qui a été écrit tout récemment sur l'accent. Qui est-ce qu'il a écrit ce texte ? Alors, tout récemment, non, en 1951. Ah, mais tu parles de celui de Fernandel. Ah oui, tu me parlais d'un autre texte. De l'accent, je sais pas. De l'accent, voilà. Alors, l'accent a été écrit en 1951. Oui, mais toi, tu l'as repris quand même aussi. Voilà, je l'ai repris récemment. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il a été écrit par Miguel Zamacois, voilà, qui nous a quittés en 1955 à l'âge de 89 ans. Le pauvre. Voilà. Et ce texte a été, enregistré par Fernandel. Oui. L'été, juste après le tournage en 1951, après le tournage de Don Camillo. Et je vous propose de vous faire une petite reprise de ce texte qu'est l'accent, qui est un magnifique texte. Tout à fait. Dis donc, mais tu es né vieux, toi, non ? Je suis né vieux, moi. Oui, il me semblait que... D'entrée, moi je suis né vieux. Bon, en tout cas, je suis né à Nîmes, donc on en parle pour la région nîmoise, je suis légitime, entre guillemets. Tout à fait. Voilà. Pas comme certains qui arrivent de... Mais ils sont légitimes tout autant. Non, pas lui. Faisons de nos différences une force. Allez, vas-y, l'accent, vas-y. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à mon tour, Jean du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort. Que nous disons de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir l'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne puis que les plaindre. Emporter de chez soi les accents familiers, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu la lande ou sa montagne. Lorsque, loin du pays, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit, c'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage, c'est pour les malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Parler de son pays, en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, en portant mon accent fièrement sur l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il nous fait porter la Provence avec nous et fait chanter sa voix dans tous mes bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du taurine midi dans les brumes du nord. Mon accent porte en soi d'adorables mélanges d'effluves d'oranger et de parfums d'orange. Il évoque à la fois les feuillages bleu-gris de nos chers oliviers au vieux tronc rabougri et le petit village où les treilles splendides éclaboussent de bleu les blancheurs des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans ma parole, tous les mots que je dis dansent la farandole. Eh bien, bravo, monsieur Fernandel, bravo à toi, Sébastien. Dis donc, tu n'as pas eu de problème, parce que nous savons. Ah, c'était Fernandel. Oui. Ah, mais les compliments me voudront en tout cas. Non, mais dis.
Si tu es venu ici pour critiquer, ce n'est pas la peine. Ah ben alors, mais il a le droit de critiquer quand même, il a le droit. Alors. Justement, lorsque tu es monté à Paris, parce que tu as gagné Graine de Star, à deux reprises. Deux fois, deux fois, j'ai eu cette chance. Tu as eu... Graine de Star, c'est The Voice, c'est ça c'est... Non, c'était l'ancêtre de The Voice. Ah, d'accord. Donc il a gagné Graine de Star et tu es parti une semaine, quelques jours 15, à Paris. 15 jours à la rue des Saint-Pères, au Don Camillo. Au Don Camillo. Voilà. Et donc là, ton accent n'a pas posé de problème. Ben, c'est-à-dire que dans mes imitations, je le masque l'accent. Je l'intègre dans l'imitation, donc je le masque. Et tu pourrais pas imiter Philippe le... Bon, ça pourrait venir. Hein ça pourrait venir. Une fois, tu avais essayé de m'imiter, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Mais tu as la voix très grave. c'est un peu du Jean-Pierre Marielle. Ah ben c'est vrai, notre Mariole, Patrick, c'est un peu Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Mariol, oui, ça c'est sûr. Bon, vous avez vu que ce matin, l'émission va partir un petit peu où elle pourra, hein, oui, tout simplement. Bien sûr, bien on parlera politique, bien sûr. Alors, Pierre Carpentier devait normalement aider André Bonnora, devait nous parler de Nîmes Olympique. Mais toi qui es un fervent supporter de Nîmes Olympique, tu peux nous en dire deux mots. On sait qu'avec 20 millions de budget, même avec les droits TV, le budget de Nîmes devrait tout juste atteindre les 20 millions la saison prochaine, soit 5 de moins qu'Amiens. Par exemple. Oui, non. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir Moi, je suis désolé qu'ils n'aient pas pu monter en première division, mais l'année prochaine, ça s'arrangera, à mon avis, je pense. Mais Nîmes monte en Ligue 1 ? Mais non. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, alors ? Ah, bah écoute, ils vont essayer de monter en Ligue 1 l'année prochaine. Allez, comme on dit à Nîmes, t'es couillonnige. Hein ? Ah ! Non, alors, donc, est-ce que tu penses... Parce qu'on sait qu'on a quand même à la tête du club de Nîmes Olympique... On a une personne, le président, qui ne souhaite pas communiquer avec les médias. Mais il faut savoir quand même que c'est le deuxième de chez Free. Donc, s'il veut trouver du budget, il en aura. Parce qu'il faut quand même recruter des joueurs. Oui, mais ça, c'est l'affaire. Bon, on peut considérer quand même que c'est d'abord l'affaire du club, hein, et l'affaire du président du club. Oui, mais c'est l'affaire des Nîmois aussi, quand même. Ah, les Nîmois, d'accord. Bon, ils veulent toujours se mêler de tout, les Nîmois. Écoute... Alors, il y a le problème du stade aussi, parce que quand on lit dans la presse que l'un des objectifs à très court terme, c'est de raser le stade existant. Carrément. Raser le stade, qui a pas 30 ans, hein, ou qui a 30 ans, qui a été réalisé par un grand architecte. Et on le raserait, on ferait quoi à la place ? On le raserait, ben, enfin un autre stade. Un autre stade, mais qui n'appartiendrait plus à la mairie. Oui, d'accord. Il appartiendrait au club. bon, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle de 12 000 places, alors qu'aujourd'hui, il y en a 18 000. Voilà, non, là, il y a un dossier qui est... Là, ça m'intéresse, moi, comme Nîmois, en tant que... Parce que les impôts locaux à Nîmes, comme vous le savez, ils portent en eux aujourd'hui les réalisations bousquetiennes, même si je suis encore pour. Ah bah oui, ça continue, hein. Tu sais, les emprunts, ils sont sur 50 ans. Alors voilà, il y a ce problème de stade, il y a ce problème de non-montée en première division. Ça, c'est très dur, je trouve. Allez, arrête-toi un petit peu. Comment non-monter en première division ? Pourquoi veux-tu qu'ils ne montent pas, puisqu'ils vont y accéder à cette première division ? Ils vont pas y accéder. Le match, il a été annulé, le match contre Ajaccio. Mais pas du tout. Les Corses se sont plaints. Ouais. Oh, attends. Tiens, tu sais, il y a deux prêtres catholiques qui discutent en marchant dans un jardin. Crois-tu que nous verrons un jour le mariage des prêtres ? Demande l'un. Ben, l'autre lui répond, non, ce sont nos enfants, sûrement. Ah, bon, une petite... Une blagounette comme ça. Peut-on rire de tout ? Pour l'instant, oui. Alors, on peut quand même... Peut-on rire de tout ? Ça dépend. Parce que la religion, si tu attaques la religion, c'est quand même sérieux. Alors, pour ma part, on en a parlé il y a deux secondes, pour ma part, je suis très adepte de la phrase de notre ami Desproges qui dit... On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et pour illustrer ça, j'ai un petit exemple. Vas-y. C'est qu'avec mon ami Alain, on écrit donc nos parodies, nos sketchs, etc. Et nous étions en train de faire un sketch sur l'apéro. Ah ben vas-y. Sur l'apéro. Non, mais tu vas voir. Sur l'apéro, et on parlait de choses et d'autres, etc. Et puis je disais, avec nos amis dont on parle, que si on fait l'apéro, je n'ai que la tapenade à porter. Alors il m'a dit pourquoi. Je dis parce que les vieux croutons sont déjà là. Eh bien, on s'est auto-censuré. Pourquoi ? Parce qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire que comme on se connaissait plus... Enfin, nous deux, on se connaît bien, mais tes collaborateurs, je les connaissais un peu moins. Eh bien, on s'est auto-censuré
de peur de vous vexer. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'on ne se connaît pas. Oui, parce il se vexe vite. Tu, voilà. Pas, tu n'aurais pas été vexé, toi. Non, non, mais moi, je suis aussi adepte de des proches, hein, depuis toujours. Et effectivement... Une finesse incroyable. Il disait, il faut rire de tout. C'est extrêmement important. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans. Alors, effectivement, c'est il disait, poète. Pas avec n'importe qui. Il en donnait une illustration. Mieux vaut rire d'Auschwitz avec un juif que jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Il avait bien sûr raison. Et qui accepterait, sauf à se déshonorer, de rire d'Auschwitz avec Le Pen ou Hitler? Ouais. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas avoir de limite. Oui, on doit pouvoir rire de tout. Hein. Il y a aussi une belle phrase que j'aime bien, moi, qui est, alors elle est attribuée à Chris Marker, parfois, elle est attribuée à Boris Vian d'autrefois, c'est l'humour et la politesse du désespoir. Je pense que c'est tout à fait... Je suis d'accord avec ça. Tout, moi aussi, je suis d'accord, avec, d'accord ça. Avec ça. Hein, mais il faut savoir une chose, un petit exemple. Les Chevaliers du Fiel font un sketch où... Et moi, ils m'énervent parce qu'ils se foutent des communaux, ils me gonflent. Ah, parce qu'ils se foutent des communistes, mais des c'est pas grave. Des communaux. Des agents communaux. Ah, des communaux, je croyais, je croyais les communistes. On peut aussi, bien se moquer. Il est tellement anti-communiste. On peut bien rire des... C'est un rôle qui se donne, ils sont mais pas... Oui. En plus, ils ont sorti un film tout récemment voilà. Là, sur les communaux. Pardon, excuse-moi pour... Il est toujours fourré au prolet à Nîmes. J'ai la chance de les avoir connus un tout petit peu. Oui. Et je peux vous dire que ce sont des gens très ouverts d'esprit. Mais bon, ils jouent là-dessus. C'est une façon... Il faut savoir qu'ils sont beaucoup... Ils viennent de sortir un film. Hein. Ouais, c'est ce que je viens de dire, si tu m'écoutais un peu. Ils sont beaucoup employés par les mairies. Oui. Donc les mairies sont contentes que l'on se fiche un petit peu du personnel, un petit peu, enfin voilà quoi. Mais un petit exemple sur le Chevalier du Fiel, à un moment donné, ils font un sketch sur un sourd et muet. Bon, le Francis joue le rôle d'un sourd et muet, et c'est vrai qu'au début, on pourrait penser que ça passe mal, etc. Et bien, il y a des gens, sourd et muet, qui sont allés le voir en disant « Vous nous avez fait beaucoup rire parce que vous nous avez mis en scène ». D'une jolie façon, et c'est une façon aussi de dire bon, on est tous égaux, si on se fiche de l'un, on se fiche de l'autre, et voilà, parce que ne pas en parler, c'est créer un tabou. Mais ne sur pas les parler de certaines personnes ou certaines catégories. Sur les religions, c'est quand même plus délicat. Il y a qu'à voir, ça y a qu'à voir Charlie Hebdo. Voilà, mais ça moi, dépend j'ai lu Charlie Hebdo depuis que je suis tout petit, et moi je suis toujours pour Charlie Hebdo de A à Z, et du bon. Donc, mais on t'a quand même dit le contraire, et Philippe. Ben alors, pourquoi tu nous engueules comme parce ça? Parce que la religion. Ben la religion est un problème, on ne peut pas en parler. Alors, par exemple, un juif pourra plus facilement parler des juifs, des blagues juives. Les blagues juives les plus dures sont dites par les juifs. Voilà, tout à fait. Chez un musulman, pareil. Chez un catho, nous, on est quand même peut-être, je ne sais pas. Je pense chez un musulman, moins. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est par. Par culture, je sais pas. C'est la religion. Mais le musulman aura beaucoup moins, je pense, d'autodérision. Je dis ça sans aucun racisme, je dis ça. Je pense que le musulman a moins d'autodérision. Bon, il est peut-être plus. Qu'est-ce qu'il pourrait dire, Popek? Eh bien, je pourrais dire une chose, c'est que l'humour juif n'est très bien pratiqué, surtout que par les juifs. C'est vrai. Les blagues juives les plus dures que j'ai entendues, et là, je suis sérieux. Ont été dites par des... Moi, j'ai eu des producteurs juifs qui m'ont dit des horreurs, quoi. Mais c'est une façon aussi, comme tu disais, l'humour, c'est un petit peu la force du désespoir. L'humour, la politesse du désespoir. Ouais. Et c'est un peu ça, quoi, avec ce qu'a vécu le peuple juif. C'est une façon d'exorciser, quoi, parce que bon... Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours bien pris. Moi, je vais vous citer une anecdote. J'étais directeur d'un office d'HLM, bon, il y a déjà longtemps, et le président, à la fin du conseil d'administration, il racontait les naissances, la vie des gens, des salariés. Bon. Et c'était au moment du procès Barbie, hein. Je le dis parce que ça a une importance. Et donc, celle qui tenait le standard, la standardiste, elle a eu un troisième enfant, elle était à près de 40 ans, elle s'appelait Evelyne Moulin, elle s'appelait. Bon. Et moi, le président s'appelait Jean, hein. Alors, elle a appelé son môme Jean Moulin. Bon, voilà. Bon, et moi je dis tout haut, je propose qu'on lui achète une poupée Barbie. Bon. Puis en plus, il était prématuré. Je dis en plus, il n'a pas l'air très résistant. Oh. Ouais, voilà. Ça, je suis capable de le faire. Alors, est-ce qu'il faut se retenir de ça? Sur les enfants, moi, j'ai beaucoup plus de retenue, si tu veux. Mais si on commence à mettre des barrières, moi je pense que ça dépend comment c'est dit. C'est-à-dire que l'humour c'est un véhicule,
peu importe ce qu'on met dedans, à mon avis. Après, c'est sûr que c'est, si le petit est un... Mais tu peux mettre l'enfant dans le véhicule. Voilà, bon. si l'enfant a une santé très fragile... Après ça dépend. Il faut, c'est quelque chose qui se sent, ça. Je pense que ça se sent. Moi, il y a des endroits dans des spectacles où, chose que je dirais ou que je dirais pas, et puis je m'auto-censure. Qu'est-ce qui te fait t'auto-censurer? Parce que je veux pas faire de la peine. Je veux qu'on rigole, je veux qu'on s'amuse avec moi, mais je veux pas faire de la peine. Voilà. Et Laspalès, qu'est-ce qu'il dirait, là? Mais Régis Laspalès dirait que... L'humour! L'humour, bon, c'est vrai, nous on est deux. Donc si on a le poids, comment dirais-je, de ce qu'on a dit, on le partage à deux, puisqu'il y a Régis, et Philippe Chevalier. Donc nous, on peut partager en deux le poids de la bêtise. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh ben, comme ça, naturellement. Les chevaliers du fiel. Non. Régis. Régis et... Moi, c'est Philippe. Et moi, c'est Régis. Et moi, c'est Philippe. Donc... Lussam aussi, on a quand même un bon résultat pour les Nîmois, pour les Gardois. Lussam qui était là. Lussam, oui, il descend. Alors, Lussam. Il descend en deuxième division, c'est terrible. Ah, on dit. Non, c'est le handball, c'était, ça. C'était la Coupe de France. Bon. Mais ce qui m'a choqué, c'est ce parti pris qu'avaient les commentateurs sur la chaîne 21. Alors là, il n'y en avait que pour Paris. Ils m'ont fatigué. À tel point que j'ai arrêté les commentaires. Et j'ai écouté ça à la Franque sur France Bleu Gardloser, qui était nettement mieux. Bon, c'est vrai, c'est un Gardois, c'est un Nîmois. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils ont fait, Lussam, quand même? Ils sont montés jusqu'en Coupe de France. Ils ont été confrontés contre le Paris Saint-Germain, quand même. L'équipe du Qatar, une nouvelle fois. Ah oui. Et alors? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je te pose une question. Ils ont fait un beau parcours, je suis bien d'accord. Puis ça a permis au jeune plantier, là, celui qui a gagné... le Tour d'Espagne l'année dernière. La Vuelta. Il a été à Paris. Puis non, c'était pas à Paris, c'était à Nîmes le match. Non, mais le match, il avait bien lieu. Il y a eu un aller-retour. Et qu'est-ce qu'il raconte? Bon, alors tu as vu. Le match a eu lieu. Tu as vu Julien Plantier, le futur maire de Nîmes. Il a fait une grande déclaration. C'est très bien pour Nîmes, j'ai passé une très bonne soirée. Bravo les Nîmois. Chez les Nîmois, rien d'impossible. Bien sûr. Donc, à ton avis, ça sera le futur maire de Nîmes? Moi, j'en sais rien du tout. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu es en politique, quand même. Le futur maire de Nîmes, Dédé Bonnora, nous dit qu'il y en a. La mission nous dit qu'il y en aurait deux. Alors, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Deux maires de Nîmes. L'actuel maire, il se représente en 2020, oui, parce que oui, sûrement. Il oui. repassera, à mon avis. Oui, il repassera, oui. Il aura tes voix. Il aura mes voix, oui. On en fera un gâteau. Il vote plusieurs fois, donc. On en fera un gâteau de sa voix. Ah, oh. Ça, je vous signale que dans les dernières rumeurs s'agissant des municipales, on parle aussi de ce Nîmois qui est aujourd'hui Nicolas Cadenne, qui est aujourd'hui président du comité national anti-racisme ou anti, je ne sais pas quel est le... Il se présenterait à Nîmes. Mais voilà. C'est un Nîmois, cet homme-là? Ben, c'est un Nîmois, évidemment. Sous quelle étiquette? C'est un socialiste, donc c'est pas une... Oh ben c'est pas forcément la bonne étiquette. Il n'existe plus, oui. Socialiste, donc on est tranquille. Le ce PS, c'est le nouveau parti communiste, on n'entendra plus parler. Voilà. Bon. Je partage ça, oui. Ah ouais, mais là, je ne suis pas un visionnaire, mais il y a longtemps que je dis que le PS fera comme le PC et finira en peau de chagrin. Mm-hmm. Quelque chose le remplacera certainement de plus ou moins équivalent, mais le PS est. Mais ben, quelque mon avis, chose d'équivalent, tu as Macron quand même. Parce qu'on ne sait pas s'il est de droite ou de gauche. Qu'est-ce qu'il est de droite ou il est de gauche, le Macron? Le coq, à mon avis, est de gauche. Ouais. Est-ce qu'il est de droite ou de gauche, Macron? Macron, il n'est ni de droite ni de gauche. Quand il on est... voit quand même qu'on il a ailleurs. Françoise Dumas qui a rejoint les Républicains en marche, elle est socialiste, elle est ou à gauche, à droite, elle est où exactement? Toi qui connais bien quand même la politique, Je pense qu'elle est plus à droite qu'à gauche, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, droite et gauche? Justement, alors bon. Ça veut dire quoi, être de droite ou de gauche? Je pense que c'est encore une signification. Oui, mais c'en a une. Mais aujourd'hui, à partir du moment où la représentation politique à gauche, elle a disparu complètement. Il n'y a plus de PS, il n'y a plus de PC, il fait deux points. Bon. Donc il n'y a plus de gauche. C'est pour ça que dans tous les mouvements en cours aujourd'hui, y compris la SNCF, naturellement qu'ils vont aller dans le mur, la SNCF. Moi, je le dis depuis le départ. Quand Mélenchon veut créer la convergence des luttes, mais pour faire quoi? Tu fais converger pourquoi? Contre Macron, mais pour le remplacer par qui?
Il y a Macron, il y a Macron, il y a Macron, il y a moi. La gauche n'a pas encore compris que Macron a foutu un grand coup de pied dans tout ça. Et il fait le fameux dégagisme. Le fameux dégagisme. Il a gagné pour 20 ans pour le moment. Il a déstabilisé et la droite et la gauche. Et la gauche. Ça, nous sommes bien d'accord. La droite aussi. Ouais. Ouais, ouais, la droite également. Ils ont quand même du mal à s'en remettre. Bah, ils ont et en 2022, nous aurons encore un Macron. Eh ben oui. J'espère que ça a été bien enregistré. En 2022, nous avons encore un Macron. Non, mais évidemment. Donc nous allons marquer une petite pause et nous nous retrouverons dans quelques secondes. Vous aimez la Camargue ? Vivez aux couleurs de cette magnifique région et de ses traditions. Chevaux, taureaux, bouvines, une gamme d'objets dédiés, du plaid au porte-clés, pour le plaisir d'offrir. PPGG, photographe animalier, appose ses productions sur tout support. Pour plus d'informations et pour connaître les tarifs, 06 16 14 62 55. Vous pouvez également visiter sa page Facebook, PPGG. Alors n'hésitez plus, camarguez votre quotidien. Et voilà, nous sommes repartis dans les studios, non pas dans les studios d'HWM, mais à l'extérieur, au bord de la piscine. Donc comme je vous le disais précédemment, nous aurons, nous, le privilège de voir Philippe Roata, dit le grognard, à maillot de bain. Est-ce que tu as fait le maillot ? J'ai fait le maillot. Est-ce que tu as fait le maillot ? Regardez là, le maillot qui remonte jusqu'au sous le nez. C'est bien. Donc alors, justement, les médias, on peut en parler un petit peu, parce que moi... une personne devait être virée de la télé, de France 2, et puis depuis qu'il y a Macron, on le voit dans toutes les émissions, il nous bouffe on le voit en permanence. Alors, je veux parler de Stéphane Bern, parle-nous-en un petit peu. Oui, bonjour, c'est moi Stéphane Bern. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, même si en ce moment, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de chance. D'ailleurs, vous me connaissez, je pense, je suis le fameux présentateur qui cire les pompes et qui, de temps en temps, également pompe les cires, c'est vrai. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, ces dernières années, nous avons eu quelques malheurs. Les Français ont tendance à mettre le drapeau en berne, et je peux vous dire que ça fait mal, c'est vrai. Et en plus, je vous disais que je n'ai pas de chance, parce que je me suis fait tatouer un petit lapin sur la fesse ici, mais le petit lapin fait toujours la tête, parce que le terrier est toujours occupé. Oui, c'est embêtant, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses de ces imitations ? Je pense qu'il va faire réhabiliter, à mon avis, la maison d'Alain. Voilà. Parce qu'il a aujourd'hui un pouvoir sur les monuments historiques. Sur les monuments historiques. Je pense que nous allons, mettre en votation la maison pour savoir si elle fait partie du patrimoine français, du patrimoine aubésien. Aubésien. Donc merci en tout cas encore une nouvelle fois à Alain Sandman de nous recevoir chez lui. Nous avons attaqué par un petit déjeuner traditionnel, fougassette nîmoise et obésoise. Hein. Obésienne. Non, moi je disais obésoise. Obésoise, ah ben, comme tu veux, mon poulet. Et marcher, comment il va ? Eh ben, c'est-à-dire, ça va, on se maintient. Voilà, on suit l'actualité avec un petit peu un de mes repreneurs. Comment s'appelle-t-il ? Philippe Roata. Non, pas. Je parlais d'un repreneur national. Philippe Roata. Qui est député au Palais Bourbon. Sénateur. Le grognard. Ne tapez pas, s'il vous plaît, pardon, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi. Comment s'appelle-t-il ? Mélenchon, voilà. Mélenchon, qui quand même essaie de naître et de vivre sur mes traces. Dis donc, et que penses-tu, Philippe, de la manifestation, tout ce qu'on va faire la fête à Macron, tu crois que c'est intelligent, tu crois que c'est bien? C'est un peu, tu me poses la question à moi, je suis dubitatif parce que il n'y a aucune autre alternative que Macron aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Donc, aller manifester même à 200 000 pour faire quoi? Pour déboucher sur quoi? Pour proposer quoi? Pour proposer quelle quoi? Alternative? Quelle alternative politique? Peut-être pour exister, tout simplement. Pour exister, oui, pour montrer qu'il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord, mais je veux dire. Puis il ne faut pas oublier qu'on est 50 ans pile, je dis bien pile, après mai 68. Et puis certains se revoient
faire un nouveau mai 68. Bien sûr que non, ça mais c'est utopique ça. On en a parlé la semaine dernière. Oui. En 68, bon, j'avais moins de 4 ans, donc ouais. J'étais pas là, mais je pense que les conditions ne sont pas réunies pour un mai 68. Mais bien sûr que non. Et la grossesse de ta maman, c'était bien déroulée? Elle s'est bien déroulée. Bon, le plus dur, ça a été le passage. Quoi. Ah oui, ben c'est normal, déjà tu faisais 12 kilos 12 à la naissance, 1m20, 12 kilos. C'est quand même important pour un bébé. Toi, tu devais faire 40 cm. Tu sais pourquoi Patrick est obésien? Non. Ben regarde. Ah, voilà. Obésiste. Concernant le... Bien, alors nous allons continuer, bien sûr, cette émission On en parle, que vous retrouvez, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, mais également sur la chaîne YouTube On en parle de Nîmes. Un petit coucou, une nouvelle fois, à Blanche, hein, la petite fille de Jean-Luc. Quel joli prénom, n'est-ce pas? Et puis... un coucou également à Dédé. Lui, nous savons qu'il a une dent contre nous. Et quant à Pierre Carpentier, bien, il n'est pas là tout simplement parce que ça glisse. Voilà, tout simplement. Comment il dirait Fernandel, ça glisse? Vas-y, toi. Eh bien, je dirais qu'un jour, on m'a donné un petit sur moi qui n'avait pas de couche. Et le petit a fait pipi. Et la dame me dit, il est bien avec vous. Et moi, j'ai répondu, on peut dire même qu'il se laisse aller. Mais et pourquoi tu dis, Pierre Carpentier, ça glisse? Parce que la patinoire, il y a des problèmes à la patinoire. Il y a des problèmes à la patinoire. À la patinoire. Donc, il ne glisse pas, alors. Non, mais tu n'as toujours pas compris? Non. Oh, mais ce n'est pas grave, on t'expliquera après. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Bien, le conservatoire de Nîmes, ça, on peut en parler quand même. Qu'est-ce qui se passe encore dans ce conservatoire? Alors, une fois, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens en électricité, en WC, en eau. Et puis là, donc, les parents de tous ces jeunes futurs acteurs ou musiciens disent que c'est beaucoup trop cher parce que ça a augmenté. Même si Daniel Jeanvalade dit qu'il y a un pass conservatoire qui sera mis selon les moyens des parents, pardon. Donc, c'est quand même très cher pour inscrire. Donc, il ne faut plus être du peuple, si j'ose m'exprimer ainsi, pour être comédien, pour apprendre son métier. Non, mais là, c'est toujours pareil à Nîmes. Je veux dire, on va être classé à l'UNESCO, on inaugure un musée qui va être un des plus prestigieux musées de France. Ça, c'est le côté pile, le côté soleil. Et de l'autre côté, on va supprimer la gratuité des musées. Ça y est, c'est définitif. Hein. C'est définitif. Même les premiers dimanches chaque mois. Et même le premier dimanche, alors que quasiment tous les musées de France ont un jour de gratuité qui est le premier dimanche du mois. C'est supprimé à Nîmes, à Carré-d'Ars. Ça y est, depuis le début. Alors, moi, je ne comprends pas. Le conservatoire, il a une vocation départementale, c'est-à-dire qu'il y a des mômes qui viennent de partout. Un conservatoire, c'est une école, hein. C'est pas un truc où on vient simplement s'amuser, il y a des concours pour passer dans la classe supérieure. Qu'est-ce qu'a pris à Jean-Daniel Valade, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a pris la décision, c'est pense Laurent Daniel Martin, Jean Valade. Daniel Jean, qui se sont dit, aujourd'hui, tiens, on va s'attaquer au conservatoire, c'est aberrant, c'est absolument aberrant, c'est une décision aberrante qui va à l'encontre de la culture pour tous, il y a des prix... Il y a des gens qui habitent pas Nîmes, ils vont 400% de plus. Alors ils disent, on va aller mettre nos mômes à Montpellier. Voilà, on aura tout gagné, on ira mettre nos mômes à Montpellier. Certains se disent progressistes, mais ça, je pense que c'est plutôt une régression. Et c'est une régression totale. D'autant que tu ouvres un musée, c'est-à-dire tu offres un espace culturel de très haut niveau, et de l'autre côté, boum, tu tapes sur... Et en plus, c'est quand même pas, je veux dire, ce que les gens vont payer en plus... C'est du gagne-petit. Qui vont faire baisser les impôts locaux des Nîmois. Ça va rapporter 3 francs 6 sous. D'autant que le conservatoire n'est plus adapté. En plus, les locaux. Voilà, les locaux sont absolument dégueulasses. Alors, si ça avait été fait une fois que le conservatoire a été réhabilité, avec des normes d'aujourd'hui, on aurait pu comprendre. Mais là, les locaux sont absolument ignobles au conservatoire. Tout le monde le sait. Donc, Daniel Jeanvalade a mis en avant la mise en place d'un pass famille pour les Nîmois, calculé selon le revenu de chaque foyer pour l'accès équitable aux services de la ville. A conseillé aux parents qui habitent hors l'agglomération nîmoise de solliciter les mairies de leur commune pour obtenir une éventuelle aide financière. Une aide financière de leur commune, mais attends. Et quand on sait finalement que la municipalité de Nîmes a fait des pieds et des mains pour que les Nîmois aient l'accès gratuit au pont du Gard, hein, pont du Gard qui est au pont du Gard, il n'est pas à Nîmes, et là, ils empêchent l'accès de... Bon, il y a une incohérence totale. Bon, alors moi, je pense que ça tient aussi au fait...
qu'il y a finalement personne. Il n'y a pas de directeur des affaires culturelles à Nîmes. Ah, bon, il y a une directrice d'affaires culturelles, Anne-Marie Rams, mais enfin, elle s'occupe des subventions, elle n'a aucun rôle de premier plan. Moi, j'ai fait 5 ou 6 collectivités. Le directeur de la culture, c'est pas celui qui décidait, c'est les élus qui décident, mais celui qui apportait une réflexion, des idées, un bouillonnement. On n'a pas ça à Nîmes, Donc, qu'est-ce qu'il manque à Nîmes, en fait? Eh bien, il manque un directeur des affaires culturelles, ça c'est sûr, un vrai directeur des affaires culturelles, c'est-à-dire quelqu'un qui a la fibre. La fibre, réfléchir, c'est un milieu particulier. Bon, qu'est-ce qu'il y a à Nîmes? Il y a quasiment plus d'administration, puisque tu vois que le directeur général des services, il est directeur de cabinet du maire aujourd'hui. Donc, Nîmes, il y a le maire qui décide, avant il avait Chaise, qui s'en va, et le directeur général des services, il décide à 3, c'est tout. Et tu crois que c'est du canime? Tu crois que d'autres municipalités de gauche, par exemple, ça n'existe pas, ça? Mais ça n'existe pas comme ça, t'es dingue. Moi, j'en ai vécu, j'ai été 10 ans à la mairie de Paris, je peux te dire qu'à la mairie de Paris, il y avait une pluralité, et d'ailleurs, il y avait le respect de... Moi, je me rappelle de la Noé, toujours avec Rachida Dati, tu sais, il y a un temps de parole, normalement. Ouais. Puis le temps, alors lui, le maire, il coupe le micro à Nîmes. Donc c'était un dictateur également. Mais non, il faisait respecter le règlement, il disait « Madame Dati, vous dépassez Madame Dati, je vous laisse encore 2 minutes, merci Monsieur le maire », et puis elle pouvait finir son propos. C'est ce que fait Fournier avec Catherine Bernier-Bossard. Bien sûr, il lui claque le... Bon, enfin... Et il lui claque quoi? Eh ben, il coupe le micro et elle n'a plus la parole, enfin c'est tellement simple, il coupe le micro. Comme de la Noé. Oh... J'essaie de le mettre en colère. Mais t'essayes, mais arrête un peu. J'essaie. De la Noé, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais attends, franchement, moi aussi, Je peux dire qu'il n'est pas trop de mon bord, mais je trouvais qu'il est quand même assez ouvert. Il était la cage au folle. Il a serré la main à Sarko. Il n'est pas d'au-bord, tu dis? Il a serré la main à Sarko alors que beaucoup ne voulaient pas trop. Ouais. Il est quand même assez ouvert. Non, mais je parle de la Noé, il n'y a pas pris. J'en ai fait d'autres. Mais j'ai jamais vu ça, moi. Tu crois que toi, dans les municipalités de gauche, il y a... C'est beaucoup mieux. Tu me parles de Nîmes. Oui, mais il faut bien faire une comparaison. Mais moi, je n'ai jamais vu, dans ma carrière, 40 ans, 42 ans de carrière, j'ai jamais vu un directeur général des services qui devenait en même temps directeur de cabinet. J'ai jamais vu ça. Provisoirement, il va... Provisoirement, c'est le provisoire définitif, non? Tu ne connais pas, toi. On pourrait présenter le directeur de cabinet à notre ami qui est absent, qui a le... Pierre. Oui, voilà. Pierre qui a un petit problème de digestion. On pourrait lui présenter le chef de cabinet. Je crois qu'hier au soir, il a mangé des moules, il ne les a pas digérés. Ah oui, c'est ça. Faut faire attention à manger des moules. Oui, mais vous dévoilez les choses, là. Mais c'est pas un secret d'État. Hein, il glisse. C'est pas un secret d'État. Il est le seul à pouvoir utiliser la patinoire quand elle est fermée. C'est ça, là. Donc il glisse. Il glisse. Voilà. Ta réaction ce matin, ça a été « Ah, il est malade ?» Ben, mon colon. Bon, allez, alors nous allons... Anus horribilis. Alors, que se passe-t-il à CCI? Tu es au courant? 6 élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Gard ont tenu à livrer devant la presse vendredi dernier leur interrogation sur la politique menée par le président Éric Giraudier. Bon. Il ne fait pas l'unanimité, cet homme-là. La CCI, c'est... je vais encore dire des méchancetés sur les Nîmois. Attends, il y a eu 2 présidents, ils se tirent la gueule depuis 2 ans. À l'époque de Douai. Tu me donnes mon avis. Je m'en fous de la CCI, moi. Oui. Bon, je m'en fous de la CCI, et je demanderai à OJ qu'il en parle dans sa prochaine émission. OJ. Ah oui, d'accord. Ben écoute, demande-lui de parler de nous un petit peu. On en parle de l'actualité nîmoise. J'en parlerai à OJ. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure cette émission qui a été très agréable ce matin, différente un petit peu, on était moins coincé, surtout Philippe, que j'ai trouvé quand même assez virulent ce matin. Eh bien, c'est un réel plaisir. Viru rapide, plutôt. Il y a du débat. Ça fait plaisir. Il y a des opinions un petit peu différentes, tout ça. Et ça fait du bien d'entendre divers courants. Et je voulais te poser des questions que je pose très souvent aux artistes. Tu vis... Ça fait combien de temps que tu es imitateur? 30 ans? Non. Ça fait exactement... bientôt 26 ans. 26 ans. Tu arrives bien à en vivre de ton... J'ai l'air malheureux. Oui, c'est vrai qu'il est bien rembourré. Donc, t'es venu cette fibre d'imitateur? Comment c'était venu cette... Ça a commencé très jeune, par exemple, comme certains disent en classe, ils imitaient... Je dirais simplement que ça vous tombe dessus, quoi. On vous dit c'est un don, ça veut dire on vous le donne, ça vous tombe dessus, et puis on l'exploite, quoi. Voilà, moi j'ai toujours été passionné par les imitateurs. Mon idole restera le Luron.
voilà, oui, c'est un... qui a été un précurseur. C'était qui, a... ça Thierry Leluron. Thierry Leluron. Oh, tu l'as pas connu? Oh, si. C'est pas possible que tu n'aies pas connu Thierry Leluron. Si. Il est taquin. Au moins par médias interposés. Si, mais bien sûr qu'il a connu. Je le soupçonne même de l'avoir connu peut-être personnellement. Ou de non. C'est Stéphane Bern qui l'a connu personnellement. Oui, ah ben c'est vrai, je l'ai connu un petit peu. Mais à ses tout débuts, moi, je ne t'ai pas encore connu, c'est vrai. Voilà, et le Luron m'a donné envie de faire ce métier parce que le Luron, voilà. Et d'ailleurs, une petite anecdote, je suis ami sur Facebook avec sa cousine Germaine. Voilà. Qui s'appelle Germaine ? Non, qui s'appelle Germaine Leluron. Marie-Christine Leluron, voilà, que je salue, je ne sais pas si elle nous écoute. Et je suis très heureux qu'elle m'ait accepté parce qu'elle me raconte beaucoup de choses de Thierry et ça me fait plaisir. Il faut dire que Sébastien a fait des spectacles avec Patrick Sébastien. Tu te souviens quand je te présentais un spectacle ? Oui. Je me présentais Patrick Sébastien. Et là, tu as fait des spectacles avec Patrick Sébastien. C'est un homme bien, elle est bien cet homme-là. Oui, c'est quelqu'un de très sympa, de très humain que j'ai la chance de côtoyer de temps en temps. Voilà. C'est quelqu'un qui est resté quand même, comment dirais-je, abordable, voilà, et c'est un bon pote. Ouais. Voilà. Bon, il n'est pas caractériel, il est... Non, bon, on n'arrive pas à son niveau en étant un enfant de cœur, mais je peux dire qu'il est resté très... D'autant plus qu'on ne lui fait pas de cadeau quand même à Sébastien dans le milieu. Non. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, c'est qu'il sort de rien, quoi. Il n'a pas connu son père, sa mère était femme de ménage. On n'aime pas ces gens-là. Ouais. On n'aime pas ces gens-là. T'as bien fait de le signaler. Ouais. Non, c'est vrai qu'il enfin, comment je pourrais dire, il vit un certain racisme de la part de l'intelligentsia parisienne. Oui. Voilà, mais je pense que le dernier mot reste au public. Il est très populaire et je pense que ça lui suffit, quoi. Il n'a pas besoin de. Oui, il n'a pas besoin d'avoir. Chose. Des voix féminines, tu en fais? J'en fais un petit peu. Oh, Maïté, un petit peu. Enfin, ah. Si on peut parler de voix féminine, oui. Sinon, je veux dire aussi, il y a Jane Birkin, tu vois, je veux dire, bon, Jane, c'est vrai, bon, 10 fois, bon, un petit peu. Voilà, sinon, dans mon spectacle, je fais du Vanessa Paradis, je fais du Olivia Ruiz, je fais du Jane Birkin, un petit peu de Véronique Sanson, voilà, voilà. Bon, par contre, moi, je vais vous écouter chanter, que ce soit l'un et toi, en duo, sur Claude François, c'était franchement magnifique ce spectacle. Oui, on a fait quelque chose de sympa avec mon ami Alain. On se complète bien, on a la même optique dans le métier, voilà, la même façon de penser, et donc, du coup, on est complémentaire. Très bien. Un peu comme avec moi, le vieux grognard. J'espère que vous m'inviterez au mariage. Hein. Ah, on t'invite. Et pour l'adoption, je vais être parrain. Qui est-ce qui va le porter, l'enfant, si nous devions avoir un enfant? C'est toi qui as commencé, je crois. Qui fait Claude et qui fait François, alors, c'est ça le problème. C'est ça. On essaie de se partager un petit peu, un coup Claude, un coup François. Bien. Alors. Tu nous dis pas un petit mot, Alain? Ah ben si. Alors vas-y. Parce qu'il est derrière la caméra, là. Oui. Je sais pas si on m'entendra dans les micros là-bas, mais. Non, c'est vrai qu'on se complète très très bien avec Bastien. Bon, on écrit beaucoup de choses à quatre mains. Mais voilà, donc c'est une découverte. Et puis les gens qui ont assisté au concert du 10 mars ont vraiment apprécié ces duos, Goldman, etc., etc. Ils nous ont tellement encouragés qu'on a monté un duo, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Voilà. On a monté un duo qui s'appelle Éclat de rire et de voix. Éclat de rire plutôt par là, éclat de voix plutôt par là. Ouais. Voilà. Avec alors, si vous n'aimez pas la variété, il ne faudra pas venir nous voir. Ne venez pas. Si vous n'aimez pas la chanson française, il ne faudra pas venir nous voir. N'y allez pas. Et si vous n'aimez pas les classiques, genre Becco, Lama. Ne venez pas non plus. Ne venez pas. Et si vous n'aimez pas rigoler, ne venez pas non plus. Bien, alors vous savez que nous tenons particulièrement dans l'émission, on en parle, à garder notre identité. Vous savez que une fois par mois, nous venons ici enregistrer dans les studios. Et aujourd'hui à l'extérieur d'HWM, mais nous tenons à avoir notre identité. La semaine prochaine, nous serons dans un petit commerce qui s'appelle L'Assiette, où nous traiterons du handicap, des enfants et des adultes. Voilà, merci Philippe, merci d'être venu, de t'être dérangé. Merci à vous, à tous ceux qui nous écoutent. À tous ceux qui nous écoutent, merci d'être de plus en plus fidèles et surtout nombreux. Merci à toi, mon cher Seb. Merci à toi. Plutôt pour ton dynamisme, pour cette émission qui est très vivante et qui parle de choses qui nous concernent tous à Surnîmes. Et également à toi, Alain Seinemann, de nous avoir reçus aujourd'hui. Nous avons eu droit au vin blanc,
aux fougassettes, aux croissants, au rouge. Au rouge, et puis ce midi, un bon repas également. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Oui. Et aimez-vous les uns les autres. Et aimez-vous les uns les autres, comme nous dit Pierre. Et puis restez-nous fidèles à On en parle. Bye bye, à très bientôt. Au revoir. Blah 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 blah.